roads are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home, back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest, the jokes the snappiest, the folks the happiest, way back home. Don't know why I left the homestead, I really must confess. La guerre. La guerre ne meurt jamais. Salut tout le monde, c'est Swakfuni en tête, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature, je vais vous compter, vous faire la lecture des leaks, des informations qui ont fuité sur le Nuka World on Tour. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo roadmap, elle sera en description si vous l'avez manqué, et ou alors en haut à droite avec le petit, ça se trouve. Si j'oublie pas. Et dans cette vidéo, je vous montrerai qu'il y allait avoir une saison propre à Nuka World, donc le Nuka World on Tour, donc une espèce de parade, hein, comme je vous ai décrit, avec un boss assez vénère apparemment, en fin d'événement. Donc c'est encore très loin, c'est après les expéditions, si cela n'est pas encore repoussé une énième fois, et du coup après la saison 9. La source, que vous connaissez tous maintenant, je pense que c'est même plus nécessaire que je vous la présente, vous devez le savoir, DSJ, évidemment le GOAT, hein, évidemment, le roi des infos, des leaks, en tout cas. Merci, en description, tout ça, comme d'habitude, si ça continue comme ça, je vais l'inviter dans chacune de mes vacances, hein, force, hein, à force qu'il soit présent, et à force que j'en parle et que je fasse des vidéos grâce à lui, je lui dois au moins ça. Il va m'accompagner à chaque fois que j'irai au State ou ailleurs. Bref, commençons donc la lecture de DSJ. C'est parti. Nuka World on Tour, Datamine. Avec l'annonce récente que Double 11, ah oui, alors ce studio, ou cette association, enfin bref, voilà, ce groupe peut-être, va se mettre avec Bethesda, on déjà signe un contrat avec Bethesda pour, c'est une parenthèse, hein, je vous dis ce que je sais, ce studio, ce groupe, peu importe, est déjà en contrat avec Bethesda pour faire les événements qui vont à venir dans pas longtemps, et peut-être même toucher aux défis ou autres, en tout cas travailler avec Bethesda. Nous verrons bien ce que vaut ce groupe. Que Double 11 créera du contenu supplémentaire pour Fallout 76, j'ai pensé que c'était le bon moment pour diffuser ces informations à l'ensemble de la communauté. Alors que D11 semble avoir une certaine application dans l'événement Moonshine Jamboree prévu pour cet été, aux côtés de Test Your Metal et Eviction Notice, donc les événements à venir, hein, donc avec les robots, le cœur de leur objectif 2022 semble être Nuka World on Tour, car les actifs pour celui-ci sont préfixés avec des onces en autre des choses. Oh, d'accord, donc un contrat à longue durée apparemment. L'annonce aide également à comprendre pourquoi nous avons du contenu Nuka World on Tour dans les fichiers en premier lieu, c'est-à-dire qu'il est en cours d'élaboration, en même temps que le travail d'expédition de BGS Austin. Tout cela étant dit, entrons dans ce que nous avons en ce moment. En tant que clause de non-responsabilité générale, considérez tout ce qui est vu ici comme un travail en cours. Alors oui, voilà, donc c'est pas sûr, c'est pas certain, c'est du travail en cours, ce sont des prototypes, nous verrons bien ce que ça donne, évidemment. Ça peut fortement évoluer à l'avenir, et je continuerai à faire des vidéos comme ceci, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez toujours des leaks. L'événement sur lequel nous avons le moins d'informations et qui est le plus immédiatement intéressant est Nuka Launcher, qui est l'événement de boss, voilà, donc je vous ai dit tout à l'heure, pour la mise à jour Nuka World on Tour. La description est une confrontation avec une horreur du désert au Nuka Launcher Coaster. Avec une horreur du désert? D'accord. On peut s'imaginer plein de choses avec ça. Et cela implique de traiter avec, entre parenthèses, la ou l'une abomination ultracite. Alors évidemment, j'ai oublié de le préciser, c'est de la traduction FR, ok? Donc je vous lis ce qui est déjà traduit en FR. Vous savez, tout comme moi, voilà, hein, c'est... Il faut peut-être revoir avec un prof de français, parce que ça craint un peu, donc ça c'est normal, vous inquiétez pas.
qui ressemble à ceci. Avant, arrière, pattes fusionnées, visage. Ok. Je suppose que c'était un râteau, mais je n'en suis pas sûr. Le modèle utilise actuellement la texture Wendigo Colossus. Ah oui, quand même, ça rigole pas. Comme espace réservé, ce qui élimine certains détails, d'où la raison pour laquelle il n'est pas texturé ici. Le modèle pour les montagnes russes est également présent. Avant, haut, détail. Bien que l'événement ne soit pas terminé, il semble impliqué de combattre trois vagues sur ces montagnes russes. La vache, en plein manège, dans le tas de cendres, en particulier le lac Reynolds. La façon dont l'événement est déclenché n'est pas claire non plus, mais il y a des signes qu'il s'agit d'un événement déclenché au lieu d'un événement de rotation. Donc ça veut dire qu'il va falloir y aller pour le déclencher, en gros, ça doit être ça. Ça n'apparaît pas, ça ne pop pas par enchantement comme les autres événements. L'autre événement que nous pouvons voir s'appelle Spin the Wheel, avec la description participer au bon jeu télévisé Wheel de Capi et Bottle. Vous savez, la capsule et la bouteille de Nuka-Cola, les mascottes là, vous connaissez certainement. L'événement implique un événement de type jeu télévisé précisé par un monsieur Andy, nommé Monsieur Nuka. Oui. Où les joueurs font tourner une roue qui engendre différentes vagues de foule. Oh, mais ça c'est vraiment bien ça. Qui peuvent recevoir des torsions. Des torsions? C'est le français, hein. Excusez-moi, ça se trouve, c'est pas ça du tout. Qui semblent inclure des mutations. Ah oui, d'Heliops. Donc ça veut dire que les ennemis auront les mêmes atouts que dans les opérations quotidiennes, hein, Deliops, opérations quotidiennes, comme par exemple attaque perforante, le soin, le poison, etc., que vous connaissez certainement. D'autres tâches incluent la défense des statues, Bottle et Capi, la recherche de Capi caché et l'attaque d'un Vimnata. Alors, je ne sais pas ce que c'est d'un Vimnata, mais un Vimana. Je sais à peu près ce que c'est, ou je sais pas si je dis correctement, c'est une espèce de d'ovni bizarre qu'on retrouve un peu partout dans le monde. IRL, je parle, donc c'est assez, ça se peut que ce soit ressemblable, ou bien c'est autre chose, nous verrons bien. Ce sont les pontes potentielles. La vague d'amis semble n'inclure que des loups pour le moment. Alors, la vague d'amis, je pense pas que ce soit bien traduit du coup. Il existe également des atouts pour cet événement, mais ils sont en grande partie inachevés ou sans texture. Enfin, nous avons de belles découpes Capi et Bottle pour la décoration. 1, 2 et 3. Dans l'ensemble, j'ai hâte de voir ces événements et j'espère qu'ils contribueront à une année agréable. Donc merci de m'avoir écouté du coup parce qu'il n'est pas marqué merci d'avoir lu. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi ce que j'en pense c'est que j'ai très hâte d'y être hein, parce que le DLC Lucas World de Fallout 4 m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé ce DLC. Donc si on peut le retrouver sur Fallout 76, 76, 76, ça peut être très intéressant et j'adorerais. En espérant que ce ne soit pas repoussé ou qu'il y ait un événement foireux ou des bugs ou bien que ce soit annulé ou autre. Ou bien être déçu. Voilà, en tout cas, ça annonce pas mal. L'événement qu'on peut faire tourner une roue, c'est sympa. Comme un jeu télévisé, ça peut être vraiment incroyable. C'est bien. En tout cas, là, j'avoue, Bethesda s'améliore. S'améliore, bon, il faudra quand même qu'ils corrigent des bugs, hein, parce qu'il y en a quand même encore beaucoup sur le jeu, et des nouveaux chaque jour, à chaque mise à jour, des nouveaux bugs, hein, c'est un peu le Kinder Surprise de la mise à jour, de chaque mise à jour. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à théoriser aussi également, à m'apporter quelques informations si j'en ai loupé, ou à simplement dire votre avis. N'hésitez pas à liker et commenter pour que je puisse avoir vos avis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Discord et la chaîne Twitch en description. Bientôt les 200 followers, ça fait plaisir. Discord si vous avez besoin d'aide, etc., etc. Ou bien théoriser, parler de chaque vidéo ou des informations ou des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Tout est en description. Ainsi que DJ, n'oublions pas le liqueur par excellence. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bye tout le monde.